46 in college Ave, where I was raised, spent my days counting sun rays, all the days. Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Monkey Tony. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 de la semaine. Et cette semaine j'ai pas grand chose à dire pour une fois, hein, on va pas se mentir, d'habitude je parle beaucoup mais là j'ai pas grand chose à dire, donc sans plus tarder on commence à la 10ème place. En 10ème place on commence gentiment avec Valentin Gaming sur un spot très connu quand même. Il va bumper ses escaliers pour faire un frame slide sur ce rockboard et se poser gentiment de l'autre côté. Bien joué à toi pour cette 10ème place. En 9ème place, nous avons un stunt de Jack Roulette du même style à peu près, mais sur un spot beaucoup moins connu et beaucoup plus long. Là, il fait un cock slide cette fois, mais regardez, si vous regardez la longueur, c'est quand même impressionnant. Il le fait tout le long et bien clean, donc bien joué à toi pour cette 9ème place. En 8ème place, nous avons un Torpor Stunter qui va nous faire un stunt un peu basique, je dirais, puisque regardez, il va faire un wall ride sur ce mur qui est quand même assez précis, on va pas se mentir, et il va enchaîner un mini reverse frame qui est pas dégueulasse, donc bien joué à toi pour cette 8ème place. En 7ème place, nous avons un stunt un peu plus complexe de Zectic qui va nous faire un wall ride bumpé, faire un 360 et ratterrir en reverse cog, le reverse cog pas très long mais magnifique stunt, bien joué à toi pour cette 7ème place. En 6ème place, nous avons Flooding. Donc, si vous regardez bien, c'est le même spot que Torpor Stunter, mais il fait pas la même chose. Regardez, il fait un wall ride et il fait un magnifique cock bien clean. Et là, il va pas finir ici, il va faire un petit frame bounce ici. Regardez, et boum, il va passer par-dessus le petit truc. Donc, voilà, magnifique clip. Bien joué à toi pour cette 6ème place. On arrive à la moitié de ce classement avec Shanks le Roux, voilà, j'ai envie de l'appeler comme ça. Regardez, il va faire un bump sur ce rebord pour faire un mini side ride et transférer en cog bien clean tout le long. Bien joué à toi pour cette 5ème place. En 4ème place, nous avons Darksealer qui va nous faire un stunt pas forcément compliqué, mais vraiment le spot est fucking original. Regardez ce qu'il va nous faire, un side ride sur cette première butte de terre. Il va transférer pour faire un deuxième side ride sur cette deuxième butte de terre. C'est vraiment très original de side ride sur un environnement naturel comme ça. Bien joué à toi pour cette 4ème place. Pour la médaille de bronze, on se retrouve avec Lime DK qui va prendre un max d'élan pour faire un magnifique wall ride, un flat wall ride. Regardez, il va le faire ici sur quand même un espace très vaste, très précis, je dirais, et puis sur une très longue distance, ce qui rend quand même le stunt vraiment très compliqué puisque c'est à la fois précis et à la fois très long. Donc c'est un magnifique stunt. Bien joué à toi pour cette 3ème place. En 2ème place, nous avons encore du lourd avec Potato BMX qui va reprendre la technique de Skillet Freak. Je crois qu'il a été fait en premier par Skillet Freak, mais je sais pas, dites-moi dans les commentaires. Regardez, il va bumper sur le train pour faire un wall ride sur ce mur. Et là, regardez ce qu'il va faire, il va enchaîner un mini cog. Et franchement, dommage qu'il soit pas plus long parce que ça aurait vraiment été un énorme stunt s'il aurait accroché. Bien joué à toi pour cette 2ème place. Et le gagnant de cette semaine, c'est Islogo. Regardez l'envol du futur qu'il va nous faire. Regardez cette précision de malade. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais la hauteur qu'il prend déjà, rien que le well bounce et la hauteur qu'il prend, c'est vraiment déjà super impressionnant. Et puis faire une précision à une telle hauteur, c'est y a rien à dire. C'est magnifique, c'est beau, c'est précis. C'est vraiment un gros GG à toi pour cette première place. Tu la mérites amplement. Et voilà, c'est déjà la fin de ce top 10, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros like comme d'habitude, un putain de commentaire qui fait plaisir, tu vois le délire, moi ça me fait super plaisir, je lis vraiment tous les commentaires, et n'oubliez pas non plus aussi de partager aussi, ça me ferait super plaisir, et voilà, pour ceux qui ne se sont pas abonnés et qui ne me connaissent pas, ben, n'hésitez pas à vous abonner pour toujours plus de fun, de stun, de trucs de malade, de ouf, quoi, voilà, et on se retrouve pour une prochaine vidéo, moi je vous dis ciao tout le monde.